tuache dosi. Kama utaki, unaacha usi. Yuko kwa kazi. Watu tutasema, wana sema se acha wani. Muyomba, nana na mkatazo sipe kazi yake. Acha, fai vitu yake. Peti kwa wafilime wabe bulae. Wabe bulae. Oui, bon, comme une basse classe de la population, nous nous disons que c'est notre espoir. Hein. Nous comptons beaucoup sur ça, mais on ne sait pas maintenant les acteurs politiques s'ils vont accepter le verdict des urnes parce qu'ils se sont, caractérisés par la médiocrité et des guerres sans fondement. Bon, on ne sait pas si cette fois-ci ils vont se référer au suffrage universel de la basse classe que nous sommes. Unawazaje juu ya uchaguzi katika nchi ya Kongo? Uchaguzi ni vizuri sana, itapita mzuri sana. Na tunawaza Joseph Kabila Kabange atapita. Idiki. Na travera mzuri sana, na tunayua atatumika nchi. Itakatisha nchi kwa uchafu sana, na romba itakatisha. Ah oui, il dit que les élections vont bien se passer et puis ils ont l'espoir à la candidature du président Kabila et comme il est bon travailleur, il compte sur son électorat. Kwa nini mnataka nous aimons parce que il est homme de sage. Il dit que ils aiment beaucoup Kabila parce que il est sage. Il est pas volé. Il est ponctuel de nous les jeunes et de tous les hommes congolais. Il est ponctuel. Donc il est omniprésent et il comprend leurs préoccupations. Et ils ont l'espoir qu'il répare, qu'il reconstruit le pays. Il doit construire notre pays. De regagner le Congo. Il voulait dire aussi qu'ils ont l'espoir qu'il va reconstruire le pays. Et ils ont confiance, disons, à lui, c'est un peu ça. Ce qui s'est passé à Kinshasa, vous avez quelle idée de nous donner? De ce qui s'est passé à Kinshasa, paraît-il la maison de Bemba a été brûlée. C'est vrai ça. C'était à cause de quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu faire pour le peuple brûlé? Monsieur le journaliste, qu'est-ce qu'il a voulu faire pour le peuple congolais? Bon, ils ont vraiment, c'est comme si, paraît-il, il y avait un délice, balice, qui a fait à ce que cette maison soit brûlée. C'est comme s'il a l'idée de dire que, voilà, il y a d'autres candidats qui ont maintenant peur des élections, il veut capoter la chose. Et aussi, vous trouverez, même Bemba, il a fait des discours incendiaires, et même ces troupes ont cassé presque tout ce qui était à leur passage. Est-ce que l'élection, c'est une façon d'arracher le pouvoir ou bien de négocier ou bien de demander? C'est ça. Puisque ce que nous sommes en train de voir pour le moment, je vois qu'il y a d'autres vice-présidents qui sont là. C'est comme s'ils sont en train de faire leur propagande pour arracher le pouvoir par force. Au moment où ça doit, c'est la démocratie. C'est la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est la population. C'est la population. Le pouvoir est sur les mains de la population. Mais pour le moment, ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de remarquer qu'il y a d'autres vice-présidents qui ne sont pas instruits. Ils sont là, ils sont en train de chercher comment troubler le pays, détruire les biens des populations. En tout cas, nous, comme peuple congolais, nous sommes vraiment humiliés, dépaysés à propos de cela. Alors, ce que nous proposons, nous avons besoin de quelqu'un qui sera capable d'amener la paix dans ce pays, de diriger ce pays successivement comme il faut, comme Joseph Kabila. Lui, il mérite, c'est un jeune garçon,
Il est très posé, très sage, très calme, il n'est pas brutal. Il n'est pas comme les autres là qui sont en train de demander le pouvoir par la force. Alors la force, ce n'est pas ça, le pouvoir. Monsieur le journaliste. Je m'appelle Monsieur Patient Mouemer Mouchossi. Je suis syndicaliste enseignant. Et à ce titre, nous sommes en train d'observer, tout en étant content, comment est-ce que les élections s'organisent dans notre pays, la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux aussi et nous remercions vivement la communauté internationale qui nous a accompagnés depuis 2001, c'est-à-dire depuis la transition jusqu'à aujourd'hui, à travers les balais diplomatiques, à travers les négociations à Sand City, au Pretoria, et à travers beaucoup plus par la Monique qui nous a accompagnés par la logistique, par les négociations politiques, et aujourd'hui nous arrivons vers les élections. Nous espérons, et grâce à Dieu, que ces élections vont bien se dérouler, mais surtout nous demandons à la communauté internationale de ne pas se limiter seulement en observant ces élections. C'est mieux d'observer et nous pensons que ça sera mieux passé. Mais nous pensons aussi qu'il est grand temps qu'il y ait une dynamique interne issue des grandes forces sociales pour que, au-delà des élections, le peuple de la RDC, de Grand Lac et de toute l'Afrique puisse finalement parler un même langage de la paix, un même langage de la stabilité politique. Parce qu'effectivement, après les élections, les cœurs des gens qui ont été blessés par le massacre, par les viols, par aussi les génocides, ces raisons de la haine, de la vengeance peuvent revenir dans 15 ans, dans 20 ans encore, comme les causes de la guerre. C'est pourquoi sur le plan interne, il nous faut qu'il y ait un climat de convivialité, un climat d'amour, et il faut que les structures sociales de l'Afrique, mais aussi de la RDC, puissent se mettre d'accord pour qu'on puisse parler un Congo uni, un Congo prospère. Une fois de plus, à ceux-là qui vont rater les élections, qui vont échouer, qu'ils l'attendent de notre tour pour que le lendemain, ils puissent revenir aux élections et que la paix puisse s'instaurer. J'ai dit et j'ai salué à tous les amis de la communauté internationale, de l'Union européenne, des ambassades, et que le Congo, le monde entier puisse parler un monde d'avenir, un monde de paix et un monde d'amour. Merci beaucoup. Je suis le représentant du syndicat des enseignants des écoles catholiques au Sud Kivu. Je remercie la communauté italienne d'être venue participer à l'observation des élections. Le message que je voulais envoyer à la population italienne, aux Italiens, c'est pour leur dire que le Congo, nous avons beaucoup de problèmes sur le plan de l'éducation. Le Congo aujourd'hui, l'éducation est vraiment par terre. Nous ne savons plus relever l'éducation. Nous demandons à tous nos amis, nos frères qui viennent de l'Europe, nous lançons un appel pour leur dire que si vraiment la communauté européenne veut nous aider, qu'elle puisse contribuer beaucoup à l'éducation dans ces pays. Dans ces pays, ce sont les parents qui paient la prime pour les enseignants. Dans ces pays, les écoles sont mal construites. Dans ces pays, les enseignants n'ont pas de salaire. Et nous demandons à nos frères qui sont en Europe, aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire, de penser au peuple congolais qui a plus de la moitié des enfants qui ne peuvent plus accéder à l'éducation. Nous demandons à nos amis qui sont en Italie de faire une sensibilisation à la population européenne de manière qu'ils puissent venir en aide aux enfants congolais, que ces enfants puissent accéder aujourd'hui, ne fût-ce qu'à l'école primaire qui est reconnue gratuite par la Déclaration internationale des droits de l'homme. Et cet appel est lancé non seulement à l'Italie, mais à tous les autres pays membres de la communauté européenne. Et s'il le faut, même les États-Unis qui nous viennent en aide pour que les enfants congolais puissent accéder à l'école primaire gratuitement. Moi, je suis le représentant des enseignants des écoles conventionnées catholiques du Sud Kivu. Pierre Kabeza, je vous remercie.